Ils sont cinq à nous offrir le menu du jour de Dixit et nous viennent de l'Afrique du Sud, de Burkina Faso, du Soudan, de Nicaragua, entre autres. Bonjour à tous. Bonjour à vous, Adrien Moussou. Bonjour Jérôme. Bonjour aux amis auditeurs et téléspectateurs, je dirais. Moïse Soulé, bonjour. Bonjour à vous, Jérôme Kassa. Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons par le Burkina. Je suis avec vous, Moïse. Si dans un délai d'un mois, rien de sérieux et de concret n'est entrepris pour maîtriser la situation sécuritaire, l'opposition politique, en concertation avec des organisations soucieuses de l'avenir de la nation, appellera à des manifestations fortes pour exiger purement et simplement la démission immédiate du chef de l'État et de son gouvernement. Ferme les guillemets là. Oui, le rôle d'un gouvernement, c'est d'assurer la sécurité à ses concitoyens. Et quand vous constatez que le gouvernement qui dispose de tous les moyens n'arrive pas à assurer votre sécurité et que cela favorise l'avancée des djihadistes et que vous n'êtes pas en sécurité, c'est normal que le peuple, par le biais de l'opposition, réclame cette sécurité-là parce qu'ils se disent « mais qu'est-ce que le gouvernement fait ?» pour nous protéger. Le gouvernement ne protège pas ses concitoyens. Donc, voilà encore des pays où les gens ont la possibilité de manifester pour exprimer leur désaccord par rapport à ce qui se passe. Nous ne sommes pas bien gouvernés. Parce que le premier objectif d'un gouvernement, quand vous avez le pouvoir, c'est de garantir la sécurité. Et qui garantit la sécurité, garantit la libre circulation des personnes et des biens. Parce que si vous n'avez pas cette assurance-là, vous ne pouvez même pas faire vos activités. Parce que du retour de vos activités, vous vous êtes braqué. La nuit, vous dormez. On vient vous dépouiller de vos biens. Donc, ils ont bien fait de réclamer. Ils ont même de la chance, ils ont donné un ultimatum au gouvernement. Ça veut dire quoi? Qu'à date échue, si le gouvernement n'accède pas à leur requête, ils pourront descendre dans les rues, exprimer leurs revendications. C'est pas normal qu'on ait levé son doigt pour dire « moi, je peux gérer autrement, moi, je peux assurer votre sécurité ». Mais quand vous arrivez au pouvoir, la première chose que vous n'arrivez pas à faire, c'est garantir la sécurité. Je crois que l'opposition ferait mieux de mettre davantage la pression. Parce que les gouvernements africains ont besoin de la pression de leurs concitoyens pour jouer le rôle qui leur est dévolu. Un aveu d'échec pour Kabore, peut-on le dire, Adrien ? Un aveu d'échec, en cela justement que les Burkinabés n'ont pas su faire la lecture de la situation. Kabore a un premier mandat. Mais au moment où il négociait le second mandat, ce devrait être une sorte de préoccupation majeure pour laquelle on devait le sanctionner dans les jours. Ça n'a pas été. Bon, évidemment. On dira que les Burkinabés dormaient. Ils ne dormaient pas. Il se fait malheureusement qu'en Afrique, hein, dans la plupart des pays, vous savez comment s'organisent les élections. Et que ceux de l'action aux affaires, ils font tout. Ils font tout pour gagner les élections. Sinon, les normes démocratiques auraient été ce qu'elles devraient être. Ceux qui sont au pouvoir ne devraient pas avoir assez de marge de manœuvre. Et que nos structures chargées d'organiser les élections seraient de véritables structures indépendantes et autonomes. Vous allez voir dans les urnes ce qui va se passer parce que la sécurité devrait être, je dirais, carrément un thème majeur de campagne pour tout candidat à l'élection présidentielle dans ce pays-là, que ce soit au Niger, au Tchad, au Mali, en Mauritanie, j'en oublie, au Burkina Faso, parce que nous parlons du Burkina Faso. Mais ce devrait être cela, parce que si les choses devaient s'organiser comme on l'organise sous d'autres yeux, il serait battu, il ne pourrait pas avoir ce mandat. Parce que cinq années durant, il a exercé le pouvoir d'État. La situation est de Caribe dans ce là où les Burkinabés n'ont pas vu le bout du tunnel par rapport à la situation au plan sécuritaire dans le pays. C'est-à-dire que c'est un aveu d'échec et plus qu'un aveu d'échec. Et l'opposition cite, hein, Moïse, plus de 2000 morts. Près de 2 millions de déplacés internes, plus de 2500 écoles fermées, plus de 400 000 élèves dans la rue, plusieurs axes routiers sous contrôle de groupes armés et plusieurs communes entièrement vidées de leur population avec des familles dispersées. Ça fait beaucoup là. Le drame est que chaque année, quand vous allez voir dans ces pays le vote du budget, le budget de la défense augmente drastiquement parce qu'on dit bon, on a besoin de moyens pour assurer la sécurité. Malheureusement, ouais, ce bilan qui est dressé, qui n'est même pas exhaustif, montre que le gouvernement a échoué. La seule chose qui reste à ce gouvernement-là, c'est de démissionner. Tranquillement. Tranquillement, parce que vous avez été élu. Vous avez présenté un projet de société à vos compatriotes. Et c'est à bas de ce projet de société-là que vous avez été élu. Mais vous constatez, c'est vrai que je suis d'accord avec Adrien, on ne devrait pas leur renouveler leur mandat. Parce que cette insécurité existait déjà au cours du premier mandat. Voilà. Et vous n'avez pas pu régler le problème. On a comme l'impression que, bon, ce gouvernement s'en fout de la sécurité des Burkinabés. Une fois que eux, les membres du gouvernement, leurs familles, leurs proches sont en sécurité, on s'en fout du reste. On ne peut pas, dans une nation, fermer des écoles. Ça veut dire quoi? Que vous ne
garantissez pas l'avenir de votre nation. Il n'y a pas d'État. Ça, c'est l'État a carrément démissionné. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est que les Burkinabés, même on demande à chaque Burkinabé d'assurer sa propre défense. Ça veut dire quoi? On autorise les gens à s'armer désormais. Puisque l'État central a échoué lamentablement, l'État central ne se donne pas les moyens. Ça ne dit rien à personne. Ouais, on tue des gens comme des poulets, mais le gouvernement, on bombe le torse, on croit qu'on gère mieux, on continue de priver les gens de leur liberté, on continue de vider les caisses de l'État. Pourtant, on a les moyens de lutter contre. Donc, je dis, Christian Caboret ferait mieux de demander à son gouvernement entier de déposer l'établi et qu'on regarde les élections. Parce qu'en Afrique, qu'on soit d'accord ou pas, c'est que nous gagnons d'abord les élections avant de les organiser. Ce n'est pas normal. Et je dis souvent en Afrique, on ne choisit pas un président de la République à partir de son projet de société. On tient compte des affinités. Parce que mon père a été ministre et que sous ce président, il a eu des biens au soleil, il nous a trouvé quelques prébendes. Nous allons faire campagne pour lui. Mais on ne vote jamais pour un président. En tenant compte, non seulement de son bilan, on s'en fout de son bilan, son projet de société, même ceux qui sont proches de lui, n'en savent rien. Donc aujourd'hui, les Burkinabés ont décidé de prendre leur destin en main. Est-ce qu'ils vont y réussir? Parce que ce président-là, il ne nous donne aucune garantie. On a donné un délai. S'ils ne savent pas faire, ils vont dans les rues. Et comme à leurs habitudes, c'est qu'on va tirer à bout portant sur les Burkinabés pour écouter si il n'y a rien à voir. Je crois qu'il est temps que les peuples africains prennent conscience que désormais, on ne va choisir que celui qui est capable. Parce que si dans un pays, la sécurité n'est pas assurée, vous ne pouvez rien faire, aucune activité commerciale. Mais eux, ils ont la possibilité. Leurs maisons sont gardées, ils dorment en paix. Des gens sont payés pour les garder. Mais les autres, bon, comme on dit, dans un État, il y a les uns, les autres, etc. Donc eux, quand les uns sont à l'aise, on s'en fout des autres. Donc il va falloir que les Burkinabés mettent davantage la pression. Il ne faut pas qu'on se limite seulement au discours. Si c'est un discours que vous avez menacé, vous avez donné de l'aide d'un mois, que à date échue, vous ne faites rien. Écoutez, Christian Caboret, son équipe vous dira, mais ces gens-là, c'est de grandes gueules. Continuons. Adrien, vous avez suivi des militaires qui famine, des militaires envoyés au front, qui ne sont pas nourris. Justement, l'autre fois, j'ai fait, en suivant sur une chaîne internationale, le président burkinabé, qui, après avoir fait émettre quelques officieux, faisait comprendre que les responsabilités seront situées, les gens seront sanctionnés. Non, là, c'est du déjà entendu. En fait, je ne veux pas croire qu'ils soient en train de dire cela pour ne serait-ce que calmer les populations frustrées et la gorge nouée d'amertume. Non, il faut avouer, c'est un aveu d'échec et j'ai dit plus que d'échec. Normalement, dans ces conditions-là, vous n'avez pas été capable, chef suprême des armées, dit-on, parce que voilà, autre dénomination. Ça va avec. On a beau être civil, militaire, président de la République, chef suprême des armées. Mais chef suprême des armées, Moïse le disait tantôt, c'est qu'il s'agit d'aller mater les compatriotes qui marchent pour réclamer certains droits. Hein? Qui leur sont dit, non, là, nous avons des armées fortes. On bombe les tout. Le chef sur les armées a signé le décret. Il a donné l'autorisation. Non, c'est pas cela. Les djihadistes, là, c'est face aux djihadistes qu'il faut démontrer, s'ingénier à prouver que le chef suprême des armées, en fait, et que font les officiers, les généraux qui sont dans nos casernes, dans nos garnisons, ici de suite. Mais ils nous disent après qu'ils ont été à l'école de guerre. Vous les voyez après avec leur brevet de parachutiste ou leur brevet de guerre. Mais c'est maintenant, là, les djihadistes sont là. C'est à qu'ils ont été bien formés. Et sur le terrain maintenant, il faut qu'ils aillent sur le front. Il ne faut pas envoyer seulement les sous-fifres et quelques soldats ventre affamé au front. Ils ne pourront pas tenir devant ces djihadistes-là qui sont financés et armés. Et comment? Puissamment armés. Non, ils ne voudront pas tripettre devant ceux-là. Nous ne l'aurons pas. On ferait mieux à Ouaga de tirer les conclusions qui s'imposent. À défaut d'appeler un tabon ou un conflit national, quoi, je ne sais. Dans tout pays, les gens parlent d'assises nationales pour laisser le pouvoir. À qui le laisser? Parce que les militaires, justement, vous n'avez plus souhaité que les militaires reviennent sur la scène, mais il se fait que face à ces genres de situations... Ils sont la solution. Ah, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Mais s'ils venaient à démissionner, normalement, qu'ils sont ceux-là à qui on mettrait le pouvoir. Ce sont les militaires qu'on doit envoyer au front, c'est eux qui doivent pouvoir gérer la situation. Et il se fait que dans d'autres pays, ces militaires-là ont su tirer l'épingle du jeu. Mais avec la situation telle qu'elle se présente désormais dans ces pays-là, attaqués par les djihadistes, même les officiers sont en panne d'inspiration. À qui irons-nous? À qui iront les populations de ces pays-là, victimes de ces guerres des djihadistes? Cette position appelle curieusement Moïse, la CEDEAO, l'ONU,
L'OUA, l'Union africaine, au secours. Ils ne disent rien. Bien curieux, non? Ils attendent qu'un coup d'État militaire intervienne pour prendre un communiqué pour dire qu'il faut restaurer la démocratie. Mais aujourd'hui, le roi Christian Kabore a montré les limites de son pouvoir, que la CEDEAO le rappelle à l'ordre. Vous avez été élu pour le bonheur de vos compatriotes, mais vos compatriotes souffrent. Il faut que la CEDEAO, l'Union africaine, descende sur le terrain pour constater la réalité des faits et faire des recommandations. Ce n'est pas quand les militaires affamés vont s'associer pour déposer ce régime-là, maintenant qu'on va bomber le torse pour dire ah non, que nous exigeons la restauration. Ils ne disent rien jusqu'à ce jour. Mais ils diront rien. Mais je vous ai dit que c'est au niveau de la CEDEAO, c'est la République, c'est la CEDEAO des copains, on se connaît, chacun sait comment elle a été élue et personne n'a de leçon de morale à donner à l'autre. Mais le peuple souffre parce que c'est un peu bizarre. Ces militaires vont s'associer un jour, ils vont déposer le président et son gouvernement et là tout le monde va commencer par parler la communauté internationale. Non, on condamne. On condamne. Mais je dis, c'est dangereux pour un pays. Le djihadisme avance. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. J'ai dit que nous sommes revenus dans le cycle infernal des coups d'État. J'ai dit ça, les gens ne sont pas d'accord. Mais c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Nous avions connu les coups d'État. Après, c'était la série des conférences nationales. On a restauré la démocratie. Mais il y a des gens qui sont venus détricoter la démocratie. Maintenant, les militaires vont revenir pour rétablir l'ordre. C'est vrai que quand ils viennent, ils ne viennent pas avec un projet de société. Ils viennent juste pour nettoyer l'écurie et puis le reste. Mais quand ça se passe comme ça, ne me demandez pas de ne pas applaudir quand les militaires vont intervenir, parce que la CEDEAO est là, on observe, on ne dit rien. Et ça révolte les peuples. On a vu dans ce même Burkina-là, le balai citoyen. Quand la CEDEAO, personne n'a réagi, les citoyens se sont mobilisés autour du balai citoyen, ils sont balayés, ils n'ont pas oré. Et je crois que Christian Kabore devait tirer le son. Malheureusement, en Afrique, les chefs d'État ne tirent pas le son de ce qui arrive à leurs voisins ou ce qui les a amenés au pouvoir. Ils devaient comprendre dans quelles conditions ils avaient au pouvoir. Comment on a fait partie Blaise Compaoré? Parce qu'à un moment donné, le peuple ne se retrouvait plus dans la politique économique. Aujourd'hui, les gens, si on comprend, l'école est fermée. On tue des gens et le chef de l'État ne dit rien. Pourtant, on a un budget colossal. On a des partenariats militaires avec le colon. Pourquoi on ne déploie pas les armées? Pourquoi la CEDEAO ne déploie pas ses armées sur le terrain pour lutter contre le djihadisme? Les djihadistes, ils sont très forts. C'est un circuit bien huilé où ils ont les armes lourdes. C'est pas les soldats africains, quand ils sont formés, est-ce qu'ils vont? Ils ne vont pas au front. Le seul front qu'il y a, quand il y a marche là, on les sort pour mater leurs compatriotes. Ça s'arrête là. C'est comme ils sont des experts, mais affronter l'ennemi qui est en train de grioter sur notre territoire, ils sont incapables. Donc je crois que le président ferait mieux de partir avant que les choses ne le lâchent. L'opposition se contente-t-elle de porter en frappé chez la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'ONU? Oui, à première vue, on pourrait le dire, mais en décryptant davantage, c'est également un piège. Okay. C'est également un piège pour prendre à témoin, en fait, la communauté internationale et les peuples. Pas cette communauté internationale hypocrite, mais surtout les peuples, pour que demain, au cas quelque chose d'autre intervenait, ouais. On ne crie pas. La CEDEAO ne doit pas vous dire attention. Où étiez-vous? Je vous avais appelé. Justement, en fait, c'était ça. Que parce que même ça, UIA, CEDEAO. Que nous de question, comme vous voyez, ces organisations ou institutions régionales, sous-régionales, continentales, là, non, véritablement pour rétablir. Normalement, la CEDEAO dans la sous-région devrait pouvoir, à partir de cette situation, donner dans un autre pays. Membre de cette organisation est en besoin pour déloger celui-là qui a violé les principes et normes établis pour être aux affaires au pouvoir. La CEDEAO, lorsqu'un président élu n'arrive plus véritablement à satisfaire les aspirations de son peuple, des citoyens qui l'ont élu, on doit pouvoir. Mais l'Ambia a la raison, on ne fait rien de tout ça. Mais lorsque les gens, les militaires rue dans le Banca, il y a Pouch, que vous voyez la CEDEAO sorti la tête, vous dites bon, on ne doit pas faire ça, on doit faire ça, on cible des personnalités sous sanction. Ça ne dit rien certain. Récemment, ils l'ont fait au Mali, en Guinée. Le chien bois à caravane passe, dit-on, avec les officiers aux affaires au Mali et en Guinée. Et cette CEDEAO ne se remet pas en cause visiblement? Non. Et ça fait un moment qu'il y a un tollé. La CEDEAO devait comprendre que les peuples aspirent au pain et à la paix. Et quand un président
membre de la CEDEAO, n'est pas capable de donner le pain et la paix à son peuple, il faut taper du poing sur la table. Si au moins en amont, la CEDEAO réagissait qu'en aval, sa réaction n'aboutissait pas, on comprendrait que la CEDEAO. Elle a essayé, mais elle ne sait pas, elle est là. Spectateur joyeux pour dire écoutez, démerdez-vous, mais si vous déposez le président, nous, on réagira. Ah non, je crois que la CEDEAO encourage les peuples africains dans une nouvelle révolution, encourage les militaires à reprendre le cycle infernal d'un coup d'État dans tous les pays africains qui refusent de reconnaître, qui refusent de travailler pour le bonheur du peuple, qui refusent de mettre en application les projets de société qu'eux-mêmes ont proposés. La moindre des choses dans tous les pays en Afrique, c'est la sécurité. Les peuples ne veulent pas être des milliardaires. Ils ne veulent pas construire de grandes villas. Ils veulent vivre en paix. Ils veulent faire les activités en paix. Ils veulent aller à l'école. Ils veulent envoyer les enfants à l'école, se faire soigner sans avoir de problème. Mais quand on les tue comme des mouches, quand on ferme des écoles, alors que les cadres qui sont là sont vieillissants, il faut renouveler. Malheureusement, il n'y a pas d'école. Je crois que le président est suffisamment intelligent pour savoir ce que son peuple veut. S'il n'écoute pas son peuple, finira pas, le peuple l'obligerait à l'écouter, on va le déposer et on va commencer par crier. C'est pourquoi aujourd'hui les Guinéens, ceux qui sont au pouvoir, ils s'en foutent. Au Mali, Goïta s'en fout. Goïta était clair, personne n'a de leçon de démocratie à nous donner. Donc aujourd'hui, si ça se produisait au Burkina Faso, les militaires diront la même chose. Vous étiez où quand Roch Christian Kabore était en train de nous massacrer, quand il nous a négligés? Aujourd'hui, vous parlez, arrêtez ça. Oh. Roch Kabore a déçu littéralement. Alors non, sur le plan sécuritaire, vous comprenez bien que par rapport à vos premiers mandats, il vous guette tantôt, hein, on devrait en tenir compte. Lui-même, s'il s'aimait, puisque sur le plan sécuritaire, il a échoué visiblement. On ne fait que tuer 50 personnes, 54, 34, mais quand même, tout ça, ça fait trop. Il fallait quand même tirer la conclusion. Parce que s'il n'y avait pas quelque intérêt personnel à tirer du pouvoir, quand même, après 5 années d'exercice du pouvoir d'État, ou sur le plan sécuritaire, visiblement, vous n'avez pas réussi. Quand même, vous-même, vous risquez gros. Vous ne devez plus chercher à briguer au second mandat. Alors là, on dira que c'est à cause du fauteuil du hein, des bureaux climatisés, et puis des espèces sont trébuchantes, vous refusez de partir. Nous passons au Soudan, je suis avec vous, Adrien. Et qui parle, Abdallah Adban, quand il a été réhabilité, hein, on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, nous rejetons complètement cet accord, car nous n'avons plus aucune confiance dans l'armée. Nous avons confiance dans la rue, ici. Ce n'est pas Adban, Bakan ou Emeti qui la feront changer d'avis. Oui, nous parlions tantôt des armées, et que seulement que dans ce cas-ci, au Soudan, le rôle joué par l'armée est mal perçu par les populations, hein, qui, depuis le coup d'État d'octobre, hein, si je ne me trompe, d'octobre dernier, la population n'a de cesse de descendre dans la rue pour manifester leur désapprobation. Bon, c'est vrai qu'entre-temps... C'est extraordinaire. Oui, justement. C'est peu courant. Hein. Oui, c'est peu courant. Maintenant, il faut déjà se poser la question de savoir pourquoi. En cela que, quand même, depuis 1989, hein, si je me trompe, ou depuis que Omar El-Béchir a pris les rênes du pouvoir, l'armée n'a pas eu bonne presse. C'est la différence, la nuance, maintenant, parce que Cheikh Chaudé crée l'eau froide, dit-on. Mais ça n'a pas manqué, et ça n'a pas raté également avec cet officier-là qui a fait le coup d'État. Ah, il s'est véritablement comporté en bourreau. Et c'est après un carnage, bon, qu'on vient trouver un gentleman agreement, et le peuple n'en veut pas, le peuple ne démord pas, les manifestations n'en démordent pas. Bien que qu'on ait réhabilité le Premier ministre, ils tiennent à ce que le général officier putschiste, actuellement qui fait la pluie de beau temps à Khartoum, ils tiennent à ce que lui-même laisse le pouvoir. Maintenant, après avoir tué ces concitoyens-là, ces compatriotes-là, y aura-t-il une véritable entente entre le Premier ministre réhabilité et lui? Que va-t-il advenir? Ce sont autant de questions sans réponse, justement, que se posent ces Soudanais qui ne veulent plus entendre parler de ce putschiste, officier putschiste, leurs affaires à Khartoum. Et les ministres ne sont pas d'accord avec ce Premier ministre-là qui a tout négocié dans leur dos, visiblement.
Oui, certains parlent de suicide politique. Ils estiment que ce n'est pas le retour du Premier ministre qui pose problème. Ils veulent la restauration d'un État démocratique. Donc que les poussières s'en aillent, qu'on organise vite les élections et que le pouvoir revienne. Parce que c'est vrai que les ministres ont raison, ils ne savent pas de quoi retourner cet accord. Ils ne savent pas de quoi, ils ont juste dit bon, que les militaires ont libéré le Premier ministre, ils reprennent les affaires. Mais en sommet, qu'est-ce qui a été retenu? Comment ont-ils partagé la gestion du pouvoir? Et ça, personne ne le dit. Donc, les ministres ont estimé qu'on devrait faire cet accord-là devant eux. Mais la rue n'entend pas parler de cet accord. On dit on n'en veut pas. Parce que on ne sait pas, on ne peut pas distribuer le pays comme un gâteau. Nous voulons la restauration de la démocratie, que les militaires s'en aillent. C'est vrai que pendant 30 ans, Elama Béchir, on sait ce qu'il a fait des Soudanais. Mais ils veulent que désormais qu'on organise. Parce que quand on dit un état de droit, on veut qu'on restaure la démocratie, on veut qu'il y ait des élections, qu'on permette aux mouvanciers et aux opposants de participer. Eux ne veulent plus entendre parler des militaires. Et la rue veut maintenir sa pression. La rue veut maintenir sa pression parce que, bon, est-ce que dans ces conditions-là, aujourd'hui, les militaires peuvent se lever et laisser le pouvoir? Même si on doit organiser les élections, il faut quand même il faut revoir les thèses, il faut revoir les listes, comme on a l'habitude de le faire en Afrique. Et même, ils vont dire, bon, donnez-nous 18 mois, fois 2, ainsi de suite. Il faut que les Soudanais se disent, mais si nous mettons la pression, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons un État sans gouvernement? Forcément, peut-être que les militaires doivent prendre l'engagement de vite quitter le pouvoir et de laisser le pouvoir civil. Aujourd'hui, vous voyez, c'est pourquoi je dis la pression, ça marche. La rue a fait la pression, on a libéré le Premier ministre, mais sous quel prétexte, sous quel accord? Et le gouvernement, moi, à la place de ces autres ministres-là, on démissionne. On démissionne, on laisse le Premier ministre parce qu'on ne sait pas quel engagement il a pris en notre nom. Donc voilà que c'est dommage pour l'Afrique, que les militaires en sommet sont encore là, parce que le Premier ministre Andok ne peut faire autre que la volonté de ces militaires-là. S'il fait le contraire, c'est qu'on va le supprimer. A raison, selon vous, Adrien? Je serai à la place de ce Premier ministre réhabilité que je déclinerai. Parce que comme le décrit bien Moïse Soudé, il boira désormais le calice jusqu'à la lit. Il boira le calice jusqu'à la lit. On va lui faire faire des choses qu'il n'aurait pas souhaité faire. Ou non? Pourquoi être emprisonné et se dire qu'on est réhabilité? Mais non, le jeune n'en vaut plus la chandelle. Et, à s'y méconnaître, s'il ne s'exécutait pas et qu'il devait s'entêter à se prévaloir de cette réhabilitation pour collaborer avec le putschiste, ce sont les populations là qui descendent dans la rue pour réclamer également son départ. Et là, il n'aura pas à surprendre la bonne décision qui s'impose. Parce que là, il est parti pour être humilié, ridiculiser et griller politiquement s'il ne sait pas faire. Le désaveu des ministres, c'est fort, ça. Hein? Oui. Près d'une quinzaine de ministres. Et quand vous les perdez, mais vous faites quoi, là, encore? Ils viennent de constater que le Premier ministre est devenu un guillon, une marionnette qu'on va manipuler. On le fera faire tout ce dont il n'est pas d'accord. On va dire, c'est ça que tu nous feras, sinon tu vas partir. Ouais, les ministres qui ne sont pas d'accord, qui démissionnent. Moi, c'est aussi simple que ça. Vous démissionnez, quand il va se retrouver fragilisé et qu'en voulant recomposer son gouvernement, il ne trouvera personne pour l'accompagner, il sera obligé de pas. Il y a des gens en Afrique qui sont nés après la honte, ils ne connaissent pas la honte. Parce que lui s'accroche à son titre. Et je ne sais pas ce qu'on lui a promis, il s'accroche à son titre et il va tuer tout un peuple. Parce que là où il est là, il n'a plus de volonté. Il n'a plus de volonté. Si on l'a libéré, c'est sous caution, c'est tellement caution morale. On dit d'accord, tu restes avec nous, mais en réalité, tu vas suivre les ordres que nous allons donner. Parce que les militaires ne se laissent pas diriger par des civils. Et là, le peuple dit on n'en veut pas. C'est un suicide politique. Parce que lui, on peut, même s'il arrive à travailler avec les militaires, on peut l'empêcher d'être candidat à la prochaine présidentielle. Il ne comprend pas. Que les ministres le lâchent, et on verra ce qu'il va faire. S'il peut diriger seul, qu'il le fasse. Et que personne d'autre n'accepte de composer avec lui. Parce que vous ne pouvez pas un accord, il faut le rendre public. Le peuple veut connaître les clauses de cet accord-là. Même ses propres ministres ne connaissent pas les clauses de cet accord. Est-ce qu'il n'a pas vendu son âme au diable? C'est ce que les gens lui reprochent. Et que moi, je dis, nous ne lui mettons pas au discours. Les ministres qui ont menacé, débrasser le plancher, retourner chez vous et vous serez à l'aise. Parce que quand le peuple va vouloir descendre de la rue, le peuple n'épargnera personne. Hein. Vous savez comment on est réagi en Afrique. Tous les ministères, ils vont s'attaquer à tout le monde parce qu'ils vont dire, mais quand il a fait cet accord-là, mais vous êtes resté avec lui. Vous n'êtes pas parti. Ça veut dire que quelque part, vous y avez vos intérêts. Donc, je demande à ces ministres-là, la quinzaine de ministres ayant réagi, de partir, de le laisser seul. Et ils sont partis complètement. Ils n'ont qu'à partir réellement. Fini.
couper tout lien avec lui. Il va se trouver esselé. Quand il sera esselé, qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde derrière toute personne. Il sera obligé de démissionner. Démissionner, on ne sait pas le faire par ici, Adrien. Oui, en cela, je suis souvent qu'à Khartoum, ces ministres ne veulent pas être demain des complices auteurs ou co-auteurs. Parce que dès lors que j'ai accepté, en tant que premier ministre réhabilité, de coopérer ou de collaborer avec cet officier putschiste dont les citoyens n'en veulent pas. Ah, demain, à l'heure du bilan, vous serez comptable de sa gestion. Vous serez comptable de ce qu'il aura fait. Et il y aura l'après-pouvoir. Ou, vous le savez si bien, vous ne devez pas être surpris d'apprendre que cet officier putschiste tout-puissant aujourd'hui à Khartoum soit poursuivi devant des tribunaux pour avoir tué. Alors là, on dira, le moment venu, que vous-même, en tant que Premier ministre, à une époque donnée, à une période donnée, vous avez accepté de collaborer avec lui, vous n'êtes pas moins co-auteur ou complice. Une complicité passive. Déjà advenu, et Galera, c'est puni, sanctionné. Et déjà, c'est devrait être le désamour, désormais, entre ce Premier ministre-là et une bonne partie de la population soudanaise. Qui dit que ça peut éviter l'hécatombe? Mais l'hécatombe, mais on crie au médecin après la mort, là, hécatombe. Il y a déjà eu hécatombe. Il y a déjà eu mort d'homme. Ça continue. Mais non, ne nous fions pas aux faux fuyants. Hein, ce sont des arguties. Ce ne sont pas des arguments qui tiennent la route face aux désirateurs du peuple soudanais. Il faut suivre le peuple, Moïse. Non, écoutez. Il est prêt à mourir, ce peuple. Hein. J'investis la rue à tout moment. Est-ce que sa présence, lui, en doc, là, va empêcher les hécatombes? Si les militaires veulent tuer, ils vont tuer. Ils vont tuer tranquillement. Il est comme, je le compare à cette femme qui, après avoir mal dansé, accuse ses seins de l'avoir empêché de bien danser. Donc, il n'a qu'à quitter. Parce que, quelle est cette caution? Ouais, c'est ça, la réalité politique en Afrique. Qu'est-ce qu'on lui a proposé si tant? Pour Clissy Accroche, qu'est-ce qu'on lui a proposé? Lui a-t-on proposé des biens au soleil, un peu dans l'Occident pour qu'il... Parce qu'eux, ils ont besoin de sa caution pour faire leurs bêtises. Et il n'a pas compris. Il dit qu'il va éviter que l'hécatombe. Si ce n'est pas fait, c'est lui-même d'abord qui fera partie de l'hécatombe. Parce que les militaires, dès qu'ils seront dépassés, ils vont tuer tout le monde, je crois. Je crois sincèrement que s'il est réellement un homme politique, s'il est soucié de l'avenir de son pays, avant que la rue ne s'en prenne à lui, parce que la rue est capable de s'en prendre à sa famille, de s'en prendre à lui, de s'en prendre à ses proches, il ne faut pas qu'il donne sa caution. Il n'a qu'à partir simplement pour qu'on dise demain, tu n'es pas coupable. Au moment opportun, tu es parti. Moi, à sa place, dès qu'on m'a libéré, m'a réhabilité, le lendemain, je démissionne. J'ai dit, je ne peux pas. Ce que vous me demandez là, c'est plus fort. Mais malheureusement, les hommes politiques sans ambition, sans conviction en Afrique, ils acceptent tout. Vous avez suivi l'Union africaine. Hein? Tout de suite, vous dites, ah, mais le Soudanais, c'est beau là. Cette Union africaine. Cette Union africaine. Quand tu y es, silence plat. Justement, ce sont les choses que nous déplorons en Afrique. Ça. Vous aurez compris, non. Il va falloir qu'au niveau de l'Union africaine, on devienne plus sérieux. Qu'on devienne plus sérieux. Qu'on ne prenne plus les situations à la légère. Qu'on essaie d'anticiper. Nous l'avons souvent dit et réclamé et martelé. Nous ne jouons pas aux médecins après la mort dans nos pays et après des hécatombes qu'on vient intervenir. Que cet accord-là même. Bon, je me demande s'il pourra véritablement tenir. On est précis sur le calendrier des élections, le retour de civil au pouvoir, rien. Justement, c'est un flou artistique à nul autre pareil. Donc, certainement que les semaines à venir, le Premier ministre, parce qu'on pourra vous dire qu'en tant que chef du gouvernement, c'est lui qui lui reviendra de décliner et tout cela. Nous attendons de voir ce dont il sera question de façon substantielle. Notre sacrée Union africaine qui applaudit. Mais oui, c'est ça. Peut-être qu'en sous-main, ils ont joué un rôle que nous ne maîtrisons pas. Malheureusement, quand on tuait les Soudanais, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. C'est ça le drame. Ouais, parfois, nos PTF se moquent de nous. Quoi. À raison, visiblement. Il y a raison parce que quand la bagarre commence, on ne fait rien. Mais on a comme l'impression qu'ils soutiennent les présidents. C'est une fois qu'ils sont débarqués qu'on dit ah non. Parce que est-ce que ce n'est pas un jeu d'intérêt? Est-ce que ces présidents-là ne garantissent pas un certain nombre d'intérêts? Je dis non. L'Union africaine, si l'Union africaine, la CEDEAO, les CIMAC, ainsi de suite, ils veulent qu'on les respecte dans leur région, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Dès qu'un président veut s'écarter des principes démocratiques, lorsqu'un président transforme son peuple en bétail, on doit pouvoir taper du peu sur la table. Des êtres humains ne sont pas du bétail. Arrêtez ça. Mais on laisse faire parce qu'on n'a pas le courage
d'affronter les gens. Après, on envoie des commissions de la CEDEAO qui font des rapports tronqués pour dire circuler, il n'y a rien à voir, tout s'est bien passé. Je crois qu'il faut une révolution désormais. On fera désormais la démocratie directe en Afrique et on ne permettra plus à quelqu'un de représenter les peuples et faire agir contre la volonté des peuples. Je reste avec vous, Moïse. Lydia a sorti son rapport. Vous avez suivi, comme tout le monde, un extrait de ce rapport. Il y a eu des progrès remarquables au début des années 1990 qui avaient donné beaucoup d'espoir à tout le monde, mais le nombre de démocraties en Afrique est passé de 22 en 2015 à 18 en 2020. Les problèmes dans ces cas-là sont un pouvoir trop centralisé et les dirigeants qui restent au pouvoir au-delà de leur mandat. Oui, 90, qui vous souvient que c'est le lendemain des conférences nationales, qui ont restauré la démocratie en Afrique. Et on a révisé, on a instauré de nouvelles constitutions. Des gens sont arrivés au pouvoir, ayant découvert, comme je l'ai dit, la succulence du pouvoir, ils ont commencé par tripoter, par tripatouiller les constitutions, par s'offrir peut-être un troisième mandat ou bien un énième mandat. Et ça a commencé par poser problème. Parce qu'il y a un baromètre. Et d'abord, il y a l'organisation des élections. Dans certains pays, les élections sont organisées à bonne date. Dans d'autres pays, les élections sont différées. Dans encore d'autres pays, on ne respecte pas les droits fondamentaux, on ne respecte pas la liberté de presse. Donc, les pays qui, en 90, ont ouvert le bal de la démocratie, aujourd'hui ont chuté, parce que ce rapport-là, quand vous le lisez, on est allé aspect par aspect. On a vu des pays qui ont évolué, il y a des pays qui se battent pour maintenir le cap, mais il y a d'autres. L'Afrique figure parmi les pays, franchement, qui font... Mais oui, quand vous avez commencé par, on a commencé par modifier à l'emporte-pièce les constitutions, c'est fini. Parce que dans la nouvelle constitution, vous allez voir, celui qui est au pouvoir, il se taille la part de lion. Donc ça veut dire que ce rapport-là, les hommes politiques africains, les chefs d'État africains doivent prendre connaissance du contenu. Qu'est-ce qu'on nous reproche? Moi, j'ai été écouté, on nous reproche d'avoir la liberté de presse. Les gens ne peuvent plus s'exprimer parce que ce sont ces libertés-là qui ont permis l'avènement des conférences nationales, qui ont instauré les démocraties. Aujourd'hui, dans la plupart de ces pays-là, quelques pays, on peut faire des mouvements d'humeur, vous ne pouvez plus faire de la grève, vous ne pouvez plus marcher pour réclamer vos droits. Et quand un citoyen n'est plus capable de réclamer ses droits, ça veut dire que la démocratie est un peu. Quand la presse ne peut plus opiner sur les questions, on ne peut pas. Quand, pour organiser les élections, on instaure des lois pour éliminer carrément une partie de la classe politique, ça pose problème. Donc le rapport là a son prise dans l'analyse et on est allé étape par étape. On a pris point par point. On a même cité, à chaque point, on cite les pays qui ont régressé, les pays qui ont évolué. Donc je dis, les présidents africains, ce n'est pas la peine qu'on monte au créneau pour dire ce rapport là, c'est un rapport tronqué, parce qu'on est spécialiste de cela en Afrique. Les pays indexés vont commencer par dire, ah non, ceux qui ont fait ça, c'est les opposants qui ont financé. Écoutez, il faut comprendre quand même que ça pour dire, de 90 à 2021, qu'est devenue la démocratie en Afrique. Rapport tronqué aux réalités, Adrien? Non, il faut dire que... Dans le vrai? Absolument, absolument, parce que le constat, même avec ceux-là qui sont au cœur des pouvoirs, ou de la plupart des pouvoirs en Afrique, quand ils sont entre quatre murs, ils sont entre eux, en aparté, ils reconnaissent que, du point de vue démocratique, nous n'avons pas toujours évolué, à défaut de stagner, mais nous avons reculé, ils doivent le reconnaître. On doit de cesse de le dire, hein, la liberté, la confiscation du pouvoir, les élections pas ou peu, ou mal organisées, des longueurs d'avance qu'on essaie de prendre sur les adversaires politiques, avant même d'organiser les élections, un certain nombre de conditions et de paramètres, des constitutions modifiées à l'envi pour compliquer la tâche aux candidats potentiels éventuels qui pourraient constituer de véritables handicaps, autant de choses qui, mises ensemble, viennent corroborer le rapport de IDEA. Justice, indépendance des médias, rien à dire. Ah oui, c'est la honte. Absolument, parce que ce sont des facteurs ou des critères dont tiennent compte ceux-là qui ont la capacité, qui sont habilités à évaluer vos performances afin de vous reconnaître comme bon ou mauvais élève sur le plan de la démocratie. Ah oui, c'est le minimum. Il y a un minimum de critères qui permet à ceux-là de vous apprécier. Alors, lorsque vous n'êtes pas meilleur élève
dans ces matières-là, si j'ai pu ainsi l'exprimer, vous aurez compris que vous êtes passé à côté de la plaque. Qu'est-ce qui peut expliquer ce déclin? Non, c'est la boulimie du pouvoir. C'est la boulimie du pouvoir. Vous imaginez que dans beaucoup de pays africains, les présidents ont commencé par gagner les élections par chaos. C'est pas possible. Ça, déjà, c'est un baromètre qui met à mal les élections. Vous allez voir. Ils sont si populaires, vous. Non, regardez le score de Ouattara en Côte d'Ivoire. Regardez comment on a tripatouillé la constitution un peu partout. Mais personne ne dit rien. Ça, c'est quand on se bat sur ces baromètres-là. Donnez toutes les chances à tous les hommes politiques de participer aux élections. Ne passez pas par les tests. Où est-ce que déjà, ça aussi, c'est des baromètres. On le fait. On est champion en Afrique. Quand on détient le Parlement, on fabrique toutes les lois. Ouattara avait dit qu'il ne ferait pas un troisième mandat. Alpha Condé l'a dit. Pourtant, ils l'ont fait tranquillement. Et Ouattara, personne n'a rien dit, mais malheur pour Alpha Condé, on l'a déposé. Mais ailleurs, ça continue. Donc tout le monde se lève et on estime que bon, et qu'il se trouve des personnes qui estiment que le président qui a tripatouillé la Constitution pour s'offrir un troisième mandat, qu'il est dans le bon droit. Mais non, les autres, ils observent. Dans tout pays, la première des choses, c'est le respect des libertés. Liberté d'aller, liberté de s'exprimer. Dans d'autres pays, on ne permet même pas aux opposants de s'exprimer. On ne permet pas à la presse, quand vous écrivez. Dans beaucoup de pays, il y a des journalistes en prison. On les dépose tranquillement. Donc, quand ça arrive comme ça, parce que c'est ça, c'est le respect des libertés qui a fait qu'on a eu des conférences nationales. Parce que des gens sont descendus dans la rue pour réclamer un mieux-être. Et ils ont chassé des présidents. Des présidents se sont vus obligés de détaler. D'autres ont dit, bon, maintenant, nous allons faire conférence nationale, nous allons faire assise nationale. Dans d'autres pays, ça a même duré. Ça a pris une éternité. Donc, ça a pris. Et après, tout s'est stabilisé. Mais quand la mauvaise gestion de la démocratie a commencé, la mauvaise gouvernance a commencé, les militaires sont revenus. Et c'est ça. Donc les militaires, en quelque sorte, nous ramènent dans les années 80, où nous allons repartir encore vers les conférences nationales, les assises nationales, pour réinventer encore une démocratie. Malheureusement, ce ne sont pas les militaires qui font jouer la démocratie, ce sont les cadres. On a estimé que des gens, ce sont des banquiers, des universitaires, ils ont fait de grandes études, ils peuvent utiliser. Mais quand ils viennent, ils disent, non, moi je viens pour faire juste un mandat, je viens pour restaurer. Et quand ils découvrent qu'avec le pouvoir, il peut s'en mettre plein les poches, il peut mettre sa famille à l'abri du besoin, il fait un deuxième mandat, flop, il fait un troisième, après il devient président à vie. On a envie dans les pays. Et puis, il y a des gens qui, chaque fois, applaudissent. Il y a des présidents qui sont là. Il y en a plein en Afrique. Donc, je crois que ce rapport-là n'est pas à banaliser. Les analystes politiques, les oppositions, les gouvernements au pouvoir doivent quand même prendre pour dire, mais est-ce que ce qu'on dit là, c'est vrai? Et on ira étape par étape. Liberté de presse, et respect des droits de l'homme. On va voir qu'est-ce qu'on nous reproche dans notre pays. Oui. Est-ce que les gens peuvent aller sur les chaînes de télé? Est-ce que les gens peuvent parler? Non. Il faut dire ça. Moi, je dis, premier handicap, c'est qu'on vient s'éterniser au pouvoir. Normalement, tous les présidents, après ce rapport-là, tous les présidents qui ont tripaté, qui ont fait un troisième mandat, ils disent, bon, nous, on est d'accord avec vous, on veut restaurer la démocratie dans notre pays, on remet en cause notre troisième mandat, on réorganise les élections, on laisse quelqu'un d'autre. Parce que si, il ne faut pas mourir au pouvoir. Dans aucune constitution, on a marqué qu'il faut mourir au pouvoir. Et quand vous mourrez au pouvoir, ouais, le père son âme, le président en fait est mort au pouvoir, vous avez vu la suite de la Côte d'Ivoire. Les gens ne savent pas que quand il meurt au pouvoir, personne n'est préparé à prendre le pouvoir, c'est dans la rue. Tout ça, là, ça tue la démocratie. Donc, les jeunes qui veulent s'engager dans la politique, ils n'ont qu'à lire ce rapport pour dire, mais si je venais au pouvoir, j'ai l'obligation de respecter ces baromètres-là. Parce qu'on le promet. Tout à l'heure, on a parlé de la situation de Burkina. Alors, Christian Kabore a promis terre et ciel à son peuple. Mais quand il est arrivé là, on a vu ce qui se passe. Pas de liberté. Aucun respect des droits de l'homme, on tue, on s'en fout. Donc voilà, à partir de ces comportements-là qu'on observe en Afrique, parce que dans le rapport, c'est pas qu'on a fait une généralité. La fixation. On est allé pays par pays. À chaque partie, on cite les pays qui ont connu des avancées, on cite les pays qui ont chuté. Donc ces pays-là, on va prendre les rapports et l'étudier. On a même cité les États-Unis de Trump, on s'est bien précisé là, Adrien. Ah oui, parce que cet exemple est frais. Et vous avez vu que les Américains n'ont pas hésité à désapprouver. Parce qu'il s'est trouvé même des gens dans son camp qui l'ont désapprouvé. En Afrique, ça ne se fait pas. Bien au contraire, on devrait applaudir Trump. Ceux-là qui sont de son bord. Non, je veux savoir que ce rapport, il mérite d'être lu, d'être ventilé, d'être véritablement décrypté. Il n'est pas financé par... Non, quand même. Mais
ce qui est dit dans le rapport, les insuffisances, incohérences, dysfonctionnements mises en relief, ça se passe. C'est la chose qui... Il n'y a, de médias que d'État. On dit que Joe Biden a financé cela pour qu'on dénonce les dérives de Trump. De Trump, c'est non, pas possible. C'est pas possible. Mais en Afrique, oh, il se trouvera certains champions qui vous diront que oui, vraiment... Ils vont commencer demain, certainement. Oui, et que non, ne suivez pas, ça, les indices sont autres, ils n'ont pas les vraies informations, ils ne sont pas arrivés dans le pays. Ils sont payés. Non, okay, bon, par ils sont la solde d'une opposition mal organisée, par d'inspiration. Non, ce n'est pas ça qui est la question. Quand ces gens du rapport arrivent, il faut se remettre en cause et faire son introspection. Oui, même Joe Biden qui vient d'être élu. Il a déjà essuyé quelques revers, mais bon, il s'en plaint pas. Vive la démocratie aux États-Unis d'Amérique. C'est cela, le démocrate. Vous venez aux affaires, vous avez lu, mais permettez également aux autres d'avoir leur point de vue sur la situation, mais ne les empêchez pas également d'aspirer à avoir le pouvoir. Pourquoi voulez-vous les empêcher? Vous reprochez quoi, en fait? C'est cela qui est la question de la part des pays africains où on se dit que lorsque les opposants ils auront la facilité d'assister au pouvoir, ils vont sortir aussi nos dossiers, ils vont créer des ennuis. Mais comment vous êtes là? Gérez bien sainement. Et quand vous serez parti, lorsqu'on fourra, ne trouvera rien, vous serez applaudi par le peuple. C'est ainsi que vous pourrez positionner quelqu'un d'autre de votre camp. Et lorsque celui-là sera présent, dire « Ah, il est du bord de ceux-là qui avaient bien géré. » Accordons-lui un mandat également parce que ses prédécesseurs, ceux qui l'ont envoyé, ses mentors l'auront certainement bien coaché qui pourra faire le job. Non, ce n'est pas du jour au lendemain, on se lève seulement, bon, après ça va éliminer les potentiels, les adversaires, on positionne un sous-fifre, on dit bon, on ne va pas dire qu'il est bon pour faire le job. Ce n'est pas cela. Il faut permettre au peuple d'apprécier celui-là à même de bien faire le job. Ça va changer? Non, vous savez, on dit Institut international de la démocratie et de l'assistance électorale. Ça veut dire que les gens suivent les processus électoraux en Afrique. Ça ne veut pas changer. Tant qu'on aura la polémique du pouvoir, on veut être là. Parce que non, on vient, on ne veut pas céder la main, on veut compliquer les choses. Il faut que désormais... C'est pourquoi je dis, la seule chose qui nous reste en Afrique, c'est la révolution des peuples. Parce qu'Adrien l'a rappelé... Elle est vivement attendue. Oui, il se trouve dans le rang de ceux qui agissent mal, des gens pour venir, des gens pour applaudir, des gens pour justifier ces comportements-là. On sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, on ne doit pas faire un troisième mandat. Pourtant, quand le président l'a fait, les gens ont applaudi. Les gens l'ont applaudi vivement. Et quand Condé voulait faire un troisième mandat, il y a des gens qui ont dénoncé, on a trouvé, ah non, que c'est une opposition très mal inspirée. Et quand on l'a déposé, les gens ont dit, ah non, on a mis en mal la démocratie. Mais quand eux... Il tuait la démocratie. Il dit non, asseyons-nous, prenons ce rapport-là. Heureusement que ce n'est pas seulement les pays africains qui ont été épinglés. Et dans ce rapport, on a impliqué d'autres pays. Donc il faut que chaque pays concerné dise ce qu'on me reproche là, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mon image sur le plan international? Ce n'est pas la peine de tirer à boulet rouge sur les rédacteurs du rapport. Ils sont à l'écoute, ils vont certainement se corriger. Nous sommes en Afrique du Sud maintenant, et je suis avec vous, Adrien. De Klerk est décédé et Ramaphosa a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? De Klerk avait joué un rôle clé dans l'avènement de la démocratie. Oui, rien qu'en permettant, puisque c'est lui qui était aux affaires, rien qu'en permettant la libération de Nelson Mandela en son temps. Bon, à part cela, c'est là que cette libération était un déclic. Mais à part ça. C'est si peu pour vous. Si peu. Oui, justement, je ne vois pas encore le rôle clé. Bon, vous savez bien que c'est à titre posthume. Bon, on dit souvent chez nous en Afrique, nous avons quelque respect pour le mort, même si il fut un adversaire ou un ennemi. Bon, on s'incline parfois dans la mémoire. Il y a des choses qu'on s'abstient de dire. Certainement que Cyril Ramaphosa, dans ce registre-là, sinon, le seul déclic, on a libéré, on a permis à Nelson Mandela de sortir de prison. C'est venu par quelqu'un? Et justement, je n'en disconviens pas. Mais cela suffit-il à dire qu'il a joué un rôle clé? Bon, les avis pourraient être partagés. Avis partagés, selon vous? Non, le rôle clé qu'il a joué, c'est qu'il a permis de mettre un thème à la pratique qui était très important. Et c'est pas petit? C'est pas petit, parce qu'en Afrique du Sud, dans ce temps-là, à parité égale développement, c'est pareil. Les nègres à part, les blancs à part. Mais en participant à détruire ce système-là,
Il a permis aujourd'hui aux Sud-Africains de voter. Il a permis aux Sud-Africains d'avoir un président nègre, à commencer par Nelson Mandela. Je crois qu'au-delà de tout, il faut d'abord saluer ça. C'est comme l'autre qui a fait tomber la presse au camp en Russie, hein, et Gorbatchev. On ne peut pas parler aujourd'hui de la démocratie en Russie sans parler de Gorbatchev. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, c'est une référence. Il a marqué son temps. Il a marqué son temps. Moi, je dis, il faut le féliciter. Si tous les présidents africains pouvaient marquer leur temps par des actes positifs, je crois que l'Afrique gagnerait. Au moins, lui, il a permis la libération d'un prisonnier légendaire. Il a permis désormais aux Noirs de se sentir heureux chez eux. Parce que jusqu'en ce moment, c'est vrai qu'au début de son règne, il avait aussi renforcé un peu l'apartheid. Mais il s'est rendu compte que, étant donné que l'Afrique du Sud est une nation arc-en-ciel, on doit permettre à tous, puisque les Noirs étaient majoritaires, donc il a juste restauré la démocratie. Moi, j'ai dit, bon, il est mort, il faut lui rendre hommage. Mais on aurait aimé que d'autres fassent comme lui, qu'il aurait aimé qu'il fasse plus. Il aurait pu faire ça depuis, mais c'est bon. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de Nelson Mandela en Afrique du Sud sans parler de Frédéric de Klerk. Je crois qu'en son temps, tout le monde l'avait salué. La preuve, on lui a décerné le prix Nobel de la paix avec Nelson Mandela. Donc, il a contribué quand même à quelque chose. C'est pas rien, hein, Adrien, c'est pas rien. Si beaucoup de présidents africains faisaient ça, je crois que l'Afrique ne serait pas à ce niveau. Et là, il a présenté des excuses, c'est vrai, à titre posthume, c'est sorti bien après sa mort, mais il a présenté des excuses. Oui, vous aurez tout compris. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Mais je dis, bon... Pour banaliser. Je ne banalise pas, c'est certain déclic, mais pas pour autant... Il faut que quelqu'un pour le faire. Qu'on lui traite des lauriers, pas pour autant lui traite des lauriers. Non, le prix Nobel qu'il a eu, en fait, on s'était rendu compte qu'on ne pouvait pas attribuer le prix Nobel à Nelson Mandela. Sans lui attribuer. Bon, évidemment, je suis tenté de dire que lui profite. Hein, je profite. Il a profité en son temps du prix Nobel décerné à Nelson Mandela. Il aurait pu faire comme les siens. Oui, il aurait pu faire, mais. Les Blancs à vie. Il aurait pu faire. Mais il faut aussi se poser la question de savoir si visiblement le système d'apartheid n'était pas également. Les tenants du système n'étaient pas également à bout. Parce que huyé par la communauté internationale désormais. Depuis des siècles pourtant. Justement, il est toujours. Se peut-il que sentant également venir la fin des choses de ce côté-là, il a dû également anticiper. Bon, il a eu l'intelligence nécessaire pour le faire, mais pas pour autant qu'on lui traite trop de laurier. C'est selon moi, en fait. Il a joué certains rôles, mais je veux limiter ce rôle-là. On peut me dire que cela a servi de déclic, soit. Mais pour lui tresser tant de lauriers, je n'en suis pas prêt. Il a prêté des excuses. Mais oui. Avant de mourir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il a enregistré sa vidéo et puis à titre posthume, on a joué ça. Je crois que si tout le monde pouvait présenter les excuses comme lui. Mais les excuses souvent viennent trop tard parce que vous avez déjà causé beaucoup de dégâts. Vous avez causé beaucoup de dégâts. Vos excuses ne vont pas réveiller les morts. Vos excuses ne vont pas rendre riche ceux que vous avez appauvris. Vos excuses ne vont pas ramener les écoles détruites. Vos excuses ne vont pas créer de nouveaux hôpitaux. Donc, il faut qu'on se comporte de telle sorte qu'on n'ait pas à présenter forcément des excuses. Et nous finissons par le Nicaragua. Je reste avec vous, Moïse. L'OEA conteste la légitimité démocratique des élections. Les élections n'ont été ni libres, ni équitables, ni transparentes et n'ont pas de légitimité démocratique. Ah oui. Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Daniel Ortega serait-il devenu président africain? Parce qu'il a eu le même comportement que le président. Exactement. Exactement, il n'a pas permis aux opposants de se présenter. Il a fait comme on fait en Afrique. Il a triché. Tranquillement, il a triché. Et puis j'ai vu les États-Unis, l'Union européenne, l'Espagne contester. Mais est-ce qu'il va respecter leur volonté? Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Parce que, ouais, ça veut dire que ce n'est pas seulement en Afrique que la démocratie est éclopée. Ailleurs, tout le monde connaît Daniel Ortega au Nicaragua. Maintenant, il vient il a tout verrouillé. Voilà des gens qui tiennent tête à l'Occident. Et aujourd'hui, bon, est-ce qu'il y a encore des pays modèles en démocratie? Lui, il a fait comme les Africains le font. Et vous avez vu, tous les pays n'ont pas réagi. On a dit les États-Unis, l'Union africaine, l'UE et puis l'Espagne. Normalement, de façon unanime, tous les pays de sa zone devaient dénoncer ça. Mais on ne peut pas se dénoncer. Les copains ne se dénoncent pas. Entre nous, on ne se mange pas. Parce que quelque part, d'autres dans la zone ont fait. On n'a rien dit aujourd'hui, lui le fait. On a contesté sa réélection de 8 novembre, mais lui s'en fout. Il n'a pas réagi. Donc, le chien aboie, la caravane passe. Moi, j'ai déjà gagné les élections. Vous pouvez tout dire, je m'en fous. Et puis, je continue mon chemin. C'est dangereux parce que là,
Si le peuple se hasarde à rentrer dans la rue pour réclamer, la soeur, c'est la mort. C'est la mort, on va les tuer tranquillement. Parce qu'il va dire, j'ai été légitimement élu. Même si le taux de participation est faible, j'ai été élu président de la République. Il vous dira qu'il a été proprement élu. K.O. K.O., oui, j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de ça. Les élections organisées, le pays, quand vous ne gagnez pas K.O., bon... que Dieu vous garde. Aucune fierté, c'est aucune fierté, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu compétition. Il n'y a pas eu compétition. Moi, je dis, par rapport au cas, il faut voir quel est le taux de participation. Parce que quand le peuple a peur, le peuple ne soit pas. L'Organisation des États américains, tout le contraire de l'UA, non? Justement, c'est ce que j'allais dire. Il va falloir que l'UA s'inspire de l'UEA. Et également, que ces organisations, organismes et structures internationaux qui ont réagi là, avec célérité, est la même posture, la même attitude quand il s'agit des élections en Afrique. Eh oui, 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 nous aurons souhaité qu'ils eussent les mêmes réactions avec la célérité requise quand il s'agit de certaines élections mal organisées, ou lorsqu'ils voient déjà des germes d'élections mal organisées, qui seront mal organisées, qu'ils réagissent à temps, et non à contre-temps, pour venir nous faire boire tout ce que nous ne devons pas boire ou avaler. Non, 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 c'est vrai que Daniel Ortega, bon, pour lui, il a emporté, mais nous attendons de voir la suite. Et il a mis tout le monde dehors. Il a mis tout le monde dehors, oui, justement, parce que il sait bien que si certains opposants devraient prendre part à la compétition, comme nous le constatons souvent également en Afrique, n'a aucune chance de se faire élire ou réélire. Donc, mais tout ça, c'est pour un temps. Viendra ce moment-là où les peuples prendront leur destin en main véritablement. Un jour, vous le dire. Mais qui sait? Il faut vivre d'espoir. Ah, et vous voyez au Nicaragua, papa et maman sont chefs d'État. Ah, c'est comme ça. C'est le seul pays au monde. Hein? Oui, oui. Un président qui n'est pas sûr de ses compétences, qui n'est pas sûr de son bilan, n'organise jamais des élections à la régulière. Et puis pour lui, ouais, lui, il pense seulement à sa famille. C'est-à-dire que il est président, son épouse est vice-présidente. On ne fait que. Et on est où là? C'est seulement dans leur famille qu'on ne fait que des enfants intelligents. Donc il faut comprendre que je n'ose pas lui prédire la fin d'un certain nombre de dictateurs qui sont morts brûlés vifs. Parce que le peuple, à un moment donné, a pris ses responsabilités. Et quand ça se passe comme ça, il y a la fuite des cerveaux. Ceux qui ne veulent pas être tués, ceux qui ne veulent pas être compromis, ils ramassent leurs clics et leurs claques qui vont s'installer. Et moi, j'ai apprécié la réaction. Vous voyez, les Américains, les Espagnols, et lui, ils ont envoyé, ils ont envoyé des missions de contrôle sur le terrain. Et dès le lendemain, en même temps, la réaction a été prompte. Ils n'ont pas fait comme chez nous, comme la CEDEAO qui dit, bon, nous étions sur le terrain, tout s'est bien passé, à part quelques incidents mineurs. Qui n'entache pas la crédibilité du scrutin, non. Ils ont dit non. Stéréotypé. Ils ont dit non, c'est faux. On n'est pas d'accord. On ne reconnaît pas ta réélection. Ça veut dire quoi? Ou tu dégages. Parce que quand c'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand ces pays-là commencent par vous dénoncer, ils ne vont pas hésiter à susciter des rébellions à l'intérieur de votre pays. Et c'est là que naissent les guerres. On va dire il y a la rébellion dans telle zone. Ces pays peuvent financer parce que forcément. Ils ont réagi. Et je voudrais que la CEDEAO, l'Union africaine, désormais, ça soit comme ça. C'est systématique. Qu'on dénonce ça, au moins, demain, on dira que les États-Unis, l'Union européenne et l'Espagne ont dénoncé ça. Mais en Afrique, on laisse faire. Je crois que le président, là, mais c'est malheureux. Donc, il n'y a que lui et sa femme qui sont intelligents dans ce pays-là. Mais lui seul a volé. Lui seul, c'est déjà bon pour eux tous, non? Que lui seul vole. Maintenant, et avec sa femme, il restera quoi pour le pays adrien? Nous tombons carrément des nues parce qu'on ne pourrait pas s'imaginer que cette situation pourrait advenir au Nicaragua. Bon, désormais, on attend de voir la réaction du peuple parce qu'il faut compter avec la réaction du peuple. C'est vrai qu'il a les armes, qu'il a l'armée, mais il aura les armes et l'armée jusqu'à quand? Il va nommer peut-être son fils ministre de la Défense. Bon, ce n'est pas exclu. Même ministre des Finances, il peut prendre. Mais lorsque le peuple se réveillera, le réveil sera dur pour cette famille-là. Oui, avec des lois liberticides. Il en crie tous les jours. Mais oui, j'ai dit, quand j'ai dit, mais Daniel Ortega serait-il devenu président africain? Parce que c'est la même chose. Tous les jours que Dieu fait, dans les pays africains, on vaut des lois liberticides, personne n'en parle. J'ai dit, le révolte du peuple sera sanglant. Et quand on va le balayer, parce que là, sa femme et lui, ils sont au pouvoir, ils peuvent envoyer leur famille à l'extérieur. Mais la femme, c'est la mesure, Adrien. Non, non, et la femme, c'est pas. Vous savez, parfois, quand le pouvoir vous monte à la tête,
vous voulez tout prendre. Vous avez dit, papa va prendre, maman va prendre. On va constituer... C'est l'épouse qui dit, attention, faisons mollo. Non, non. Papa, tu vas loin, là. Non, parfois, ce sont les épouses qui amènent les serviteurs à s'entêter. C'est-à-dire qui endurcissent le cœur de leur mari. Peut-être c'est comme ça, il dit, tu es président et je suis vice-président, sinon je te quitte et je forme la rébellion contre toi. Donc il est là, peut-être que c'est la femme en griffe qui le dirige, il est devenu un guillot entre les mêmes. Mais je dis, il doit craindre la réaction du peuple. Parce que quand le peuple se tait, le silence du peuple n'est pas une faiblesse. Parce que quand le peuple se mobilise, c'est là qu'il rentre dans les rues et détruit tout, tout, tout. Donc je crois que ce président-là, il n'a qu'à faire attention, parce que quand les gens, quand il y a la fuite des cerveaux qui vont à l'extérieur, c'est de l'extérieur généralement qu'on prépare la rébellion, c'est de l'extérieur qu'on prépare la révolte, et tranquillement vous êtes là, on vient vous tuer dans votre sommeil. Mais poursuit ses opposants jusqu'à l'extérieur. Oui, bon, Plomin n'a pas le choix, parce que c'est la peur du lendemain, en fait. C'est la peur du lendemain. Une fois qu'il pose des actes pareils, il doit pouvoir également. Monsieur avait déjà eu le pouvoir par le passé. Mais il n'en a pas assez. C'est maintenant qu'il faut amasser. Au moins, il avait le pouvoir. La femme n'était pas si visible dans les allées. Mais maintenant, la femme est aux affaires, elle accompagne dans la gestion des affaires de la République. On va s'enrichir, on va s'enrichir. Mais ce sont les seuls au monde, ça. Il y a quelque chose de gênant dedans, bon, Adrien. Nous patientons. Monsieur, madame. Nous patientons jusqu'à la. Si le premier, jusqu'à l'heure du réveil. Le président de la République fait une crise, il meurt. La vice-présidente prend le pouvoir. Non, c'est-à-dire que ça reste dans le giron familial. Et là, c'est bien calé. Là-bas, le test a prévu que si la vice-présidente devenait présidente, elle doit choisir son vice-président. Donc elle amène son fils pour être vice-président. Et puis ça reste dans le giron de la famille Ortega. Et puis c'est tout. Nicaragua devenant la République des Ortega. C'est comme ça. Donc, et puis il y a des gens qui sont éhontés, ils s'en foutent quoi. Ce que l'image qui reflète dans la communauté internationale, ils s'en foutent. Le problème, c'est d'amasser. Parce que là, quand vous regardez, c'est. On veut maîtriser tous les leviers du pouvoir. Vous allez voir comment il vient de gagner, il va former son gouvernement. Il mettra certainement, comme je l'ai dit, son fils à la défense, son cousin à l'intérieur. On trouvera des cadres preneurs qui vont accepter de faire mais ça. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez. Je vous dis, il y a des cadres pour sauver peut-être les têtes et sont obligés de composer avec le diable. Parce que quelqu'un qui vous poursuit jusqu'à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il vaut mieux composer, avec le diable que d'être le diable. Merci à vous, Moïse. Merci à Adrien. Madame, monsieur, merci d'avoir été des nôtres. C'est fini pour le numéro du jour. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.